Bonjour monsieur, j'ai entendu dire que vous étiez souffrant, c'est pour ça que vous vouliez me voir. Alors dites-moi tout, qu'est-ce qui vous est arrivé? Vous êtes tombé pendant la chasse le week-end dernier. Voir
ma bougie pour m'éclairer. J'ai ramené ma bougie. Regardez votre oreille en même temps. Je vais regarder la deuxième. Des fois que... votre oreille très noire de ce côté-là, l'oreille blessée. Je pense qu'elle a dû enfler dans la semaine. Vous en avez plusieurs raisons pour lui, je pense même. Va falloir aller voir l'arracheur dedans. Non, je le fais pas moi. Je suis pas spécialisée dans ça. Vous irez voir l'arracheur dedans après, d'accord? Ok. Bon. Il va falloir que. Qu'on traite tout ça. D'accord? Sont très claires. Ce n'est pas vraiment normal. Elles sentent pas beaucoup non plus. C'est une mauvaise chose. Il n'y a pas d'odeur généralement. Ça veut dire que la mort est proche. Donc ce que je vous propose, c'est qu'on fasse une petite saignée, histoire d'éliminer le plus de sang contaminé, éliminer le mal. Ensuite, après cette petite saignée,
Positionnez bien votre bras, voilà, que je puisse mettre le pour récolter. Très bien. De l'autre côté maintenant. Je positionne. Que vous avez encore besoin d'un petit peu d'incision. Je reprends ma lame. Nous allons le faire sur l'avant-bras, au milieu. Tendez bien le bras. Parfait. Je positionne mon pot. Mettez bien votre bras en dessous, dessus, au-dessus. Faire l'autre bras maintenant. Attendez, pareil. Non, nous n'utilisons pas les insultes aujourd'hui. Je pense que votre cas est malheureusement désespéré. S'il a saigné, vous êtes pas, je ne sais pas ce que je pourrais faire d'autre. Je consulterai, consulterons les cartes avant que je vous laisse partir. Ok.
s'adresser à votre oreille. Je vais retirer cette partie noire, gangrénée. Je vais aller chercher mes instruments, d'accord? Vous avez perdu la sensibilité, c'est que votre oreille est bien morte. Ok, je vais commencer donc à retirer cette partie. Je vais vous demander de mordre ce bout de bois pendant que je fais ça. Ok. Ne bougez surtout pas, d'accord? Je vais commencer. On va tirer un petit peu. Oh, ça commence à venir. Il y a encore un petit peu de tissu qui reste là. Ça va s'arracher, vous inquiétez pas. Oh, voilà, je l'ai. Regardez-moi ce morceau d'oreille. Bien enflé, bien noir. Votre oreille ne vous embêtera plus maintenant.
les battre cette fois, car le nombre 7 est un nombre, est un chiffre. Que les étoiles ont parlé, monsieur. Il va être temps pour vous de remettre en ordre vos affaires et de dire vos adieux à votre famille. Ne pleurez pas. Ne pleurez pas. 26 ans, c'est déjà un bel âge, vous savez. Chez la boutiquière pour aller chercher quelqu'un.